Je suis donc Jérôme Terraigne, je suis éducatrice de jeunes enfants, je suis la référente technique de la microcrèche Tom et Josette qui a ouvert le 26 octobre 2020. Nous sommes donc la microcrèche de Rennes, située dans l'EHPAD des Roseraies. Ce qui est spécial dans le fait d'avoir une microcrèche dans un EHPAD, c'est l'idée de pouvoir toujours avoir du lien avec les résidents. Donc on a effectivement le cuisinier de l'EHPAD qui prépare les repas des enfants, mais aussi des ateliers au quotidien. C'est vraiment l'impact qu'on veut avoir de pouvoir faire partie du quotidien des résidents et que eux fassent également partie de notre quotidien avec les enfants. Donc autour de petits ateliers, mais juste de moments ordinaires, d'aller juste se promener dans le parc, ça rend déjà le moment plutôt extraordinaire. Du coup, le projet a été lancé en octobre et il reste encore plein de choses à mettre en place puisqu'on est en train de commencer la rédaction du projet pédagogique avec l'équipe des Roseraies, pour qui c'est important aussi de faire partie du projet, de les intégrer de cette manière-là. Donc on rédige ensemble des objectifs, voilà, des moyens d'y répondre et des axes d'évaluation. Et effectivement, avec les mesures sanitaires du moment, ça ne nous permet pas de se rencontrer autant que possible. On est à une, voire deux rencontres par semaine pour l'instant, et nous, on souhaiterait des rencontres au quotidien. Donc il y a encore plein de choses à faire, et le projet, le but du projet, c'est pas que ce soit réalisé tout de suite maintenant, mais c'est vraiment que ce soit pérenne dans le temps. Donc on commence petit à petit, mais pour un projet qui sera très qualitatif dans le temps. Le projet a donc été réfléchi il y a à peu près 2 ans sur la commune de Rennes. Donc Astrid Parmentier et Pauline Fèvre ont eu contact avec l'EHPAD des Roseraies et elles ont commencé à faire les plans d'une nouvelle structure dans des locaux qui étaient aménageables. Ensuite, elles ont fait un début de recrutement à partir de décembre 2019. Du coup, on a commencé à avoir contact ensemble pour passer les entretiens, faire les recrutements. Donc voilà, le projet a été mûri longuement en avance. Et on est là depuis le mois d'octobre 2020. Donc ce matin, nous avons Mélanie de l'association Les Radis Vagabonds qui est venue à la crèche. Elle viendra une fois par mois pour des ateliers autour du potager qui est situé dans le parc des Roseraies. Et elle a mené un atelier autour du thème des abeilles. Donc ça permet un petit temps d'éveil pour les enfants et un temps de rencontre avec les résidents de l'EHPAD. Pour les enfants, je constate qu'ils sont très très posés lors des temps de rencontre avec les résidents. J'espère que c'est ce que vous avez pu remarquer ce matin aussi. Mais pas forcément en fait, c'est juste qu'ils sont vraiment eux-mêmes, ils prennent le temps. On remarque qu'au contact des résidents, ils sont très observateurs, très curieux. Il y a toujours une petite étape de timidité avant de se lancer réellement dans l'atelier. Voilà, ils prennent le temps, on a l'impression que comme les résidents ont tout leur temps, si je puis me permettre, ils prennent aussi le temps avec eux, c'est un vrai moment suspendu et ils sont en demande d'aller voir les résidents à chaque fois qu'on propose d'aller dehors à leur rencontre, ils sont très très volontaires et on a de la fidélité de par les enfants et de par les résidents parce que c'est toujours le même groupe qu'on a en atelier. Mon regard a un peu changé sur la personne âgée parce que je me rends compte qu'on peut proposer plein de choses auxquelles les personnes âgées sont en mesure de répondre et de proposer, elles sont très accessibles. Moi j'ai eu l'habitude de travailler en projet intergénérationnel mais ponctuellement, c'est-à-dire une fois par mois. Ici on est dans le projet de le faire au quotidien, donc on se rend compte qu'on prend le temps nous aussi en fait de se poser, c'est pas grave si personne n'est à l'heure, c'est pas grave si les enfants mangent plus tard, on prend le temps avec eux aussi. Et dans notre pratique à nous aussi, on se rend compte qu'on essaye de réfléchir un maximum pour que tout soit accessible pour les personnes âgées sans les infantiliser.
infantilisés. Ça, c'est très important pour nous, de ne pas leur donner la possibilité d'avoir l'impression d'être infantilisés par telle ou telle activité, si un atelier pâte à modeler ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas le but, c'est la personne âgée aide l'enfant à faire pour n'importe quelle activité ou autre. Mais c'est vraiment ça, c'est très important pour nous, que la personne âgée ne se sente pas infantilisée. Donc à Rennes, nous avons la chance d'être la première microcrèche du réseau Tom et Josette. L'idée, c'est qu'il va y en avoir une quinzaine à ouvrir dans les trois prochaines années en France. La prochaine, elle est à Montusson, à côté de Bordeaux. Et notre équipe sera potentiellement les marraines de l'équipe de Montusson. Donc on aura du vrai lien entre nous, et c'est vraiment le but, c'est vraiment de coopérer, de collaborer tous ensemble. Donc voilà, moi personnellement, je participe au recrutement de la référente technique, et voilà, par la suite, je serai sa marraine pour l'accompagner dans ses premiers temps de prise de poste. Dans 5 ans, je pense que Tom et Josette aura grandi au sein de la France. Nous, on sera toujours là, toujours la même équipe, et le projet aura forcément évolué, puisque là, les rencontres se font une fois par semaine. Et le but, c'est vraiment qu'on soit dans des rencontres quotidiennes, que les nouvelles familles, du coup, soient toujours autant porteuses du projet avec l'équipe, et que ce soit vraiment un travail commun pour le bien des enfants et des résidents. Alors actuellement les résidents qui participent aux ateliers nous font beaucoup de retours après. Bon, nous on les questionne aussi pour savoir s'ils ont apprécié. Bon, déjà on s'en rend compte aussi pendant les moments d'échange. Il y a beaucoup d'échanges spontanés, beaucoup de sourires, vraiment d'interactions entre les enfants et les résidents. Donc déjà, sans poser la question, on voit le bénéfice, parce que les résidents ont le sourire, on voit que... Ils sont réceptifs à ces rencontres, et les enfants aussi, en échange, vont beaucoup vers les personnes âgées. Et c'est vrai qu'après, quand on échange avec les résidents, ils nous parlent beaucoup de leur parcours de vie, et il y a beaucoup de souvenirs qui ressurgissent, et ça amène à justement échanger davantage. Ils se livrent sur leur passé, et on a des échanges intéressants. Alors dans ma pratique quotidienne, oui, ça a changé quelque chose, dans le sens où ça, c'est motivant en fait d'avoir des projets novateurs, parce que c'est plutôt novateur quand même d'avoir une crèche au sein d'un EHPAD, même si ça existe déjà ailleurs en France, mais ça reste, c'est les premières ouvertures de crèches en EHPAD, et c'est vrai que moi ça me plaît de participer à ce genre de projet. Et ça rajoute du sens à mon métier, et aussi de la diversité dans ce qu'on propose. Donc c'est vrai que nous, au sein de la résidence, les résidents sont très hétérogènes, donc n'ont pas les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes envies. Donc ça permet aussi de diversifier ce qu'on peut leur offrir, et proposer vraiment des choses qui ont du sens pour tous et accessibles à tous aussi. Parce que au sein des EHPAD, maintenant, on a aussi beaucoup de personnes qui deviennent de plus en plus aussi dépendantes. Et on réfléchit en permanence sur ce qui peut être bénéfique pour eux. Donc ce genre de rencontre, pour ces personnes-là aussi, c'est leur offrir du positif et de belles rencontres. Ouais. Je m'appelle Paul Juniorella, je suis le parent de Oani, l'un des enfants qui est à la crèche ici. En même temps, je suis le responsable des cuisines et de la restauration à la maison de retraite Les Roseraies, et on s'occupe en parallèle de toute la production alimentaire, les repas de la crèche Tom et Josette. Je pense que ça apporte quelque chose de positif, dans le sens où, n'eût été le fait qu'il a des grands-parents, donc il les côtoie régulièrement, un petit peu moins maintenant avec le Covid, mais déjà ici, me voir moi, voir ces personnes-là, cette différence d'âge, et cette, la façon de penser et de voir, ça ne peut être que positif pour l'enfant.
de voir ces deux, voire ces trois générations, je dirais, c'est très enrichissant. Il va s'en rappeler, peut-être pas maintenant, mais certainement dans quelques années. Il y a des, je dirais, des souvenirs flash qui viendront aussi s'ajouter à cela. Même si aujourd'hui, il n'a que 16 mois, mais moi, je l'ai vu lors de certaines rencontres avec les résidents, mais ils sont des enfants, on a l'impression, en fait, c'est comme si on leur donne un nouveau jouet, en quelque sorte. Ils sont émus, ils sont contents, ils découvrent quelque chose d'autre. Et les grands-parents, je dirais les résidents, nos résidents, c'est pareil. Moi qui suis originaire d'Afrique, du Cameroun plus précisément, je dirais, chez nous, la personne âgée, on la garde jusqu'au dernier jour. Que ce soit notre grand-père ou notre arrière-grand-père, je dirais, on a plus à y gagner de passer du temps avec eux que eux, ils en ont de passer avec nous. Mais bien sûr, ça apporte une chaleur de vivre. Ça apporte quelque chose de plus, mais je dirais, le regard sur ces personnes-là, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très fort, en fait. C'est très fort. Je souhaite à toute personne, je dirais, on a tous des parents, des grands-parents. Moi, j'en ai plus aujourd'hui parce que, voilà. Mais je dirais, il faut... C'est très enrichissant. C'est exceptionnel, le contact avec eux. Et mon fils... Commencer aujourd'hui à vivre cela, bah c'est tout simplement formidable. Aujourd'hui, il y a des choses comme des ateliers pâtisserie, des ateliers de cuisine, qu'on fera certainement pour les plus grands. Bon, on espère que la période soit plus favorable d'ici l'été. Parce que on a installé également un potager. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour justement faire en sorte que les enfants se sentent bien. Et chez Tom et Josette, les enfants sont bien. Je m'appelle Jean-François Roncin. Je suis natif de Châteaubourg et j'ai fait mon métier dans les assurances en tant que directeur régional avec des séjours à Nancy, Lyon, Angers, Chartres et enfin Rennes pour revenir. Depuis le 3 septembre, mon épouse s'était cassée la figure dans la pièce à la maison. Donc les pompiers l'avaient emmenée à la clinique de Saint-Grégoire. Et puis alors, on l'a traité là-bas. Et puis au bout d'un certain temps, on m'a dit, maintenant, les soins, les deux cliniques sont terminés, mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce que vous êtes fait une fracture du bassin. Alors une de mes nièces, qui est médecin, nous a trouvé de venir ici. Voilà, c'est comme ça que nous sommes arrivés là. Et malheureusement, mon épouse est décédée il y a 4 mois de la fameuse maladie là. C'est ça qui est le plus triste, c'est quand on se retrouve tout seul. Surtout la nuit, parce que la nuit, on est tellement habitué. Hein, on se réveille en montant comme ça, et puis on dit, tiens, je la cherche, je l'appelle. C'est ridicule, mais excusez-vous. Hein. Et la vie. Ah oui, oui. Oui, parce que j'ai toujours eu l'esprit de famille et de retrouver un petit peu, surtout les petits-enfants et tout ça, là, c'est agréable. Hein. Ça nous rajeunit, en fait. Thank you.